Hello le Beauty Squad, j'espère que tu vas super bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Non, c'est pour vous reposer une vidéo que j'ai faite il fut un temps. Non, pour une nouvelle vidéo, vous savez déjà. Ça me fait super plaisir de sortir une nouvelle vidéo. Ça me fait super plaisir d'être là en train de filmer pour le coup. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un My Unpopular Opinions. Unpopular opinion. Unpopular opinion. Unpopular. Unpopular opinions. Excusez mon accent, j'arrive pas à le dire, mais je vais l'écrire juste là. Voilà. Alors en fait, il s'agit d'une vidéo où on exprime des goûts, des choix que nous on aime ou qu'on n'aime pas, et que en général les gens aiment ou n'aime pas. En gros, si toi t'aimes, les gens n'aiment pas, et si les gens aiment, toi t'aimes pas. On a toujours des trucs en fait où on n'est pas forcément d'accord avec l'opinion publique. J'espère que cette vidéo va pas faire... Je vais pas me faire taper sur les doigts, mais forcément, on a tous nos opinions, on a tous nos idées, on n'est pas forcément d'accord, mais... C'est ce qui fait qu'on est tous différents et qu'on peut tous vivre ensemble, parce que sinon, bon, je vais pas commencer à faire toute la psychologie ici, puisque voilà, t'es pas venu ici pour ça. Ok, donc on va aller droit au but. Avant tout ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne, lâcher un petit commentaire, dis-moi toi ce que tu penses par rapport à mes unpopular opinions et aussi par rapport aux tiennes. Si t'en as, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je t'invite aussi à t'abonner à mon Instagram, parce que c'est là-bas où je fais tout, presque tout. Je suis tout le temps sur Instagram, je poste des stories, je vous montre un petit peu ce que je fais, mes journées et tout. Je me dis que c'est vraiment là-bas où on est le plus proche, où on se parle le plus, donc pourquoi pas. Donc depuis tout à l'heure, je suis en train de faire mon intro, j'ai des trucs là sur les lèvres et vous me dites rien, t'avais remarqué. Alors on va commencer, du coup j'ai fait une petite liste de mes trucs là, de mes unpopular opinions. J'avoue, ça n'a pas été facile, puisque en fait quand tu commences à réfléchir, mais en fait qu'est-ce que t'aimes pas et que les gens aiment, c'est super dur. Donc oui, ma chambre est super en bazar, je suis pas là pour prouver que ma chambre est archi propre. Il y a des jours où j'ai pas envie de ranger. Ok, alors c'est parti, unpopular opinions numéro 1. Alors du coup, je vais commencer par quelque chose qui est peut-être le plus soft de tous. Les potes de Noël arrivent. Moi, les pulls de Noël, je sais pas si vous voyez c'est quoi les pulls, mais c'est des petits pulls qui sont un peu moches là, que les gens disent ouais c'est des pulls moches et tout pour Noël. Moi personnellement, j'en avais un qui était tout noir, il y avait un gros pingouin au milieu et je l'aimais trop ce pull. Et voilà, en fait ça c'est quelque chose, les pulls de Noël c'est vraiment quelque chose que je surkiffe. Les gens aiment pas en général, c'est grave cliché, en mode c'est le genre de cadeau qu'on veut pas à Noël. Personnellement c'est quelque chose que moi je kiffe, parce que ça me fait penser à mon enfance et ça fait grave familial, genre tu sais, je sais pas. Donc s'il y a quelqu'un ici qui veut m'offrir un pull de Noël, c'est avec grand plaisir. Ceci est visé pour mon chéri, car je sais qu'il regarde cette vidéo. Ceci est également visé à ma mère, car je sais qu'elle regarde aussi. Voilà, merci. Alors ma deuxième unpopular opinion, c'est, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas être d'accord avec moi, mais personnellement Fortnite, je comprends pas comment un jeu peut prendre autant d'ampleur, autant de proportions. Je capte pas tout l'engouement autour de Fortnite. Donc s'il y a des gens qui jouent à Fortnite ici et qui me regardent, je sais pas, mettez-moi en commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous aimez dans ce jeu, qu'est-ce qui est tant spécial, enfin genre je sais pas, faites-moi découvrir, parce que personnellement je ne comprends pas. Voilà. Après je pense qu'il y a des gens qui comprennent pas peut-être l'engouement pour les perruques, l'engouement pour les vêtements, l'engouement pour d'autres choses, tu vois. Mais moi, pour le coup, c'est Fortnite. Troisième unpopular opinion, il y a quelque chose que je peux vraiment pas, c'est l'eau du robinet. C'est pas que je ne peux pas dans le sens où, ouais, je suis trop high pour boire de l'eau du robinet. Moi, c'est que de l'eau potable, pas du tout, enfin, que de l'eau minérale. Pas du tout. En fait, c'est que quand j'étais petite, j'imaginais toujours, en fait, dans le robinet qu'on est en train de boire là. On voit pas à l'intérieur. Ça se trouve, c'est archi sale. On voit pas tous les tubes dans lesquels l'eau elle passe. Ça se trouve, c'est archi sale. Et en fait, je suis grave quelqu'un comme ça, en fait. Je suis trop bizarre dans ma tête. En gros, avant d'avoir quelque chose, de le mettre dans ma bouche, je réfléchis toujours pas où est-ce que ça a pu passer, est-ce que c'était propre, genre. Et pour le coup, l'intérieur d'un évier, c'est archi sale. Donc, comment est-ce qu'un robinet qui fait couler de l'eau pendant des années et des années et des années et qu'on nettoie pas à l'intérieur peut être propre? Voilà, c'est ce que je me dis. Après vous allez me dire oui mais l'eau minérale on sait pas non plus, etc, etc. Ouais, mais dans mon image, dans ma tête, c'est plus propre, je sais pas comment expliquer. Je peux boire hein, c'est pas genre ouais tu me sers de l'eau du robinet, je bois pas, je vais boire, mais
Je sais pas, dites-moi si vous aussi vous êtes comme ça. Quatrième unpopular opinion, je voulais parler des laces frontales. Donc vous savez que moi je mets des laces frontales, je mets des perruques, ok. Et je vois aussi des perruques sur Instagram, je vois aussi des gens qui mettent des laces frontales sur Instagram, des closures, etc. Je tenais juste à vous dire, mes frères et mes soeurs, enfin surtout mes soeurs, qui mettaient des laces frontales et qui n'arrivaient pas forcément à les plaquer à la perfection, sachez que ce n'est pas un drame. Moi non plus. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément ce qui arrive dans la réalité. Ça veut dire qu'il y a des gens, bien sûr, qui arrivent à slay leur frontal like never. Comme par exemple Beauty in My Hair. Son boulot, c'est incroyable. Il y a aussi She is the Beauty qui fait des perruques incroyables. Il y a aussi des personnes comme moi qui mettons souvent des vidéos donc de nos perruques qui sont totalement on fleek. Mais la perruque au fil de la journée, genre ting, 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 genre ça se lève, c'est normal. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, nos perruques, elles sont archi on fleek du matin au soir. Il faut arrêter d'idéaliser, on n'est pas parfaite. Moi aussi, ma perruque, des fois, elle aime trop se décoller, tu vois. Mais forcément, quand tu veux poster une vidéo, une photo sur Instagram ou tu veux poster une vidéo sur Instagram, tu vas faire en sorte que ta perruque soit bien posée. Tu vas pas mettre une photo où ta perruque, elle est en train de dire bonjour à tes pieds, tu vois. Tu vas pas faire ça. Unpopular opinions, les perruques sont pas toujours slayed to the edges. Je crois que c'est la cinquième unpopular opinion. Un autre truc par rapport aux perruques. Le blond, c'est pour tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas des couleurs qui sont spécialement dédiées au blanc et des couleurs qui sont spécialement dédiées au noir. Pour moi, hein, personnellement, je vois souvent des gens qui disent « Ouais, mais t'es noir, tu devrais pas mettre du blond, etc. etc. » Pour moi, le blond, ça va très bien au noir. Les couleurs, ça va super bien aux teintes plus foncées. Pourquoi se priver? Why? Pourquoi? Non, mets la perruque que tu veux, mets la couleur que tu veux. Éclate-toi, fais-toi plaisir. Si ça plaît pas aux gens, c'est pas grave, ce n'est pas ton problème. Tu es là pour... Tant que c'est pas quelque chose qui fait du mal à quelqu'un dans le sens où tu fais du mal pertinemment à quelqu'un, franchement, fais ce qu'il te semble bon pour toi. En conformément à la parole de Dieu, bien sûr, évidemment. Comme on parlait de Dieu, il y a une autre unpopular opinion que j'aimerais dire aux personnes. Il faut savoir que l'église ne sauve pas. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église tous les jours que tu vas aller au ciel. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église du lundi au lundi que tu vas aller au ciel. Ce qui sauve, c'est ta relation avec le Seigneur Jésus. C'est ça qui sauve. C'est pas le fait d'aller tous les jours à l'église, mais t'as pas de relation avec le Seigneur. Aller à l'église et avoir une relation avec le Seigneur, tu vois, c'est ensemble, c'est un package. C'est pas juste je vais à l'église, après dès que je sors de l'église, allez, je fais tout et n'importe quoi, je connais plus Jésus, je me comporte comme des gens dehors en fait, enfin tu vois, c'est vraiment un style de vie, c'est pas juste dire ouais mais moi je vais à l'église, hein. ouais je vais à l'église. Bref, là si vous me laissez parler par rapport à des choses de Dieu, je vais parler toute la vidéo. Voilà, il y a un autre truc encore que j'aimerais dire, enfin unpopular opinions. Sincèrement, pour moi, les tissages, c'est genre, c'est du passé pour moi. Genre, je sais pas, je suis tellement dans les perruques maintenant. Et pour toutes les personnes qui mettent encore des tissages, ce n'est pas contre vous. Petit disclaimer, je n'ai rien contre les tissages. C'est tellement agréable les perruques. T'enlèves ça le soir dès que tu rentres, t'enlèves ta perruque, tu t'allonges. T'as rien sur la tête, rien qui t'embête. Dès que tu veux changer de coiffure, tu mets la perruque que tu veux. Genre, c'est trop la vie en fait, les perruques. J'aime trop. Je sais pas comment je faisais avant sans perruque. Laisse tomber. So, yeps. Voilà mes unpopular opinions. La vidéo n'est pas super longue parce que je me suis dit que j'allais faire une première édition, voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît et que vous voulez voir une autre petite liste de unpopular opinions, vous me le dites. Et voilà quoi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Personnellement, moi j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo. Ça m'a fait réaliser les choses que j'aimais et que j'aimais pas, qui étaient différentes des autres personnes. Et du coup c'est marrant de se voir de l'extérieur en mode ah ouais les gens ils aiment ça mais moi j'aime pas, tu sais, genre tu te sens différent, genre, you know.
I'm different. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, donc du coup, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et n'oublie pas de mettre un commentaire de tes unpopular opinions à toi et à t'abonner à mon Instagram Beauty Glam Paris. On se retrouve là-bas dès la fin de la vidéo parce que j'aurai sûrement posté des trucs sur mon Instagram et vous allez pouvoir aller checker tout ça. Je fais des gros bisous. Très bientôt, des concours pour Noël vont arriver. Je vous fais des gros bisous, le Beauty Squad, et à bientôt. Bye. Voilà, ça aussi c'est une unpopular opinion. Ça là, j'aime pas. J'aime pas.